Out of the sea, wish I could be part of that world. Comment? Just why out to the sea. Hey, what's up, tout le monde? Est-ce que vous avez discussing la mission? Good guys, aujourd'hui surtout pour un petit chit-chat make-up. Je me prépare littéralement pour aller voir la petite sirène. Je suis tellement content, tellement excité, je suis euphorie totale. Euphorie. Pour ceux qui sont fans de Chloé, de Ali, tout ça, franchement, je pense qu'on a le même ressenti. Actuellement, quand je dis que je suis tellement content, je suis... Waouh. Et de base, je voulais vraiment le voir avec mes amis, etc. Mais bon, mes amis, c'est incapable. Ils veulent pas le voir aujourd'hui. Moi, je veux absolument le voir aujourd'hui parce que c'est la date de sa sortie. J'ai envie que je fasse partie des gens qui ont payé lors de la sortie en France pour soutenir Ali, ok? Donc du coup, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais aller voir le film et je suis trop excité. Demain, je voulais faire un make-up de fou et tout, carré en mode... inspiration, la petite sirène et tout, genre cheveux rouges et tout, mais pas mis l'argent. Ex et tout, en ex et en ex. Vous avez capté? Là, littéralement, genre, il est 18h, la séance, elle est à 21h, il faut que je fasse cette vidéo, il faut que je me maquille, il faut que je fasse cette vidéo, il faut que je la montre, il faut que je la poste. Maintenant, comme votre go, elle a la fibre, like, it's about to happen, it's about to happen. Guys, avant de commencer cette vidéo, d'abord, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Healthy Capricorn, period, Healthy Capricorn, ok. Purée, je suis pas le premier comme, mais quand même, bon anniversaire, merci. Et d'ailleurs, merci à tout le monde qui m'ont souhaité bon anniversaire, ça continue. Si vous voulez me souhaiter bon anniversaire, vous pouvez toujours, vous n'êtes pas en retard. Mon anniversaire, c'est toute cette semaine, ne vous inquiétez pas. Merci à tous, je prendrai le temps pour répondre. Sachez que je lis tous vos commentaires, merci beaucoup. Merci, merci, un grand merci. Mon anniversaire n'est toujours pas fini. Soyez prêts, parce que cette semaine, c'est parti qui est down, donc... voilà, je pense que c'est une bonne chose, je pense, les planter vendredi soir, car même si je n'aime pas, car même si je n'aime pas ça, je n'ai que ce moyen pour avoir un peu de contact physique ou de l'attention. Du coup, je n'aime pas coucher avec des inconnus, j'aimerais avoir moi aussi une relation, mais j'ai l'impression que la majorité veut le contraire. Du coup, je fais quoi? PS, j'habite dans la campagne, je ne sors pas beaucoup, et en plus, je suis grand, je suis noir, mais grand, mais uniquement... Ok, bon, la fin de ta question, elle n'était pas nécessaire, hein, mais je comprends où tu veux en venir. Moi, je n'encourage personne à avoir le lifestyle que j'ai ou que beaucoup d'entre nous ont. Parce que tu verras que même si Carrie, en mode faire des vendredis soirs, etc., etc., c'est fun, mais il y a pour beaucoup, comme toi qui n'attends pas que ça, bah... Je pense que ça va plutôt te desservir qu'autre chose, t'as capté? Genre, je pense qu'au final, tu vas te sentir mal, tu vas penser que t'as un problème, etc. Alors qu'en vrai, de vrai, non. Les vendredis soirs, faire des bails souvent, etc. ou faire juste des one night stands, c'est un lifestyle. Genre, c'est une culture, c'est une façon de penser. C'est pas pour tout le monde, c'est vraiment pas pour tout le monde. Quand je dis que c'est pas pour tout le monde, je dis pas en mode « moi, je suis là, vous êtes là ». Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui... ont la possibilité de faire des bails avec des inconnus et de ne pas avoir le mal, de ne pas se sentir attaché et continuer comme ça et continuer sa vie normalement. Et d'autres qui vont se sentir attachés et qui vont même des fois se trouver sales. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que je dis que c'est pas pour tout le monde. Si tu ne te sens pas capable d'avoir cette vie-là, ne cherche pas à l'avoir. Je n'encouragerai jamais personne ici à faire les bails à tout va. Attends que tu puisses partir de ta campagne, attends que tu puisses voyager, attends que tu puisses découvrir de nouvelles personnes, etc. Pour voir s'il y a possibilité que là-bas, bah, il y a des gens pour toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, ouais. Je sais que c'est un peu compliqué, je sais que c'est dur, mais je sais même pas à quel âge t'as. Mais je sais que. On a tous besoin de toucher les hommes, là. Ou les femmes. Ben, vous avez compris. Donc voilà, j'espère que cette réponse t'a plu et que tu comprends. So keep on going and fighting, ok? Hey, je croûte derrière le bif. Ton gars en chien croûte derrière mon huc. Il va écarter les cuisses. Bon, les amis,
Franchement, là, on va pas déconner parce que j'avoue que là, j'ai perdu beaucoup de temps. Il est déjà 18h40. Attends, je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Je suis une bad bitch. Les amis, comme je vous ai dit, je vais pas faire un matelage de fou, donc vous attendez vraiment à rien. Parce que là, vraiment, ça va partir sur un maquillage. A simple but cute look. Period. Je pense que j'ai beaucoup changé la façon dont on peut me voir. Parce que je sais qu'avant, genre, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que à première vue, genre, j'étais quelqu'un de méchant. Je sais pas pourquoi. Je donnais grave cette vibes là. Et j'ai l'impression qu'au fil des années, je sais pas vraiment comment, mais j'ai l'impression d'avoir réussi à faire en sorte que les gens, à première vue, ils ne trouvent pas que je suis une personne méchante. Je crois énormément, mais énormément aux auras et à l'énergie. Et c'est pour ça, et clairement, je pense clairement que c'est pour ça que maintenant, les gens n'ont plus cette impression que Carrie, en moi, je suis une personne méchante. Parce que avant, j'étais tout le temps justement dans... Surtout quand je sortais, j'étais trop souvent dans la guerre. Genre, moi, j'avais tout le temps besoin de me dire que j'intimide les gens pour que les gens n'aient pas à me voir comme étant une victime ou une personne à, justement, agresser. Ou est-ce que je vais dire ou pas? Et donc, du coup, en ayant cet esprit-là, bah, je dégageais cette aura de carrière en mode je suis une mauvaise personne ou je suis méchant, genre. Maintenant que j'ai plus peur de ça et que j'ai compris clairement que frère, s'il y en a un qui veut m'agresser, je vais le botter. J'ai l'impression que j'ai plus cette aura de personne méchante. Et j'ai l'impression que les gens me voient comme la personne adorable que je suis. Je vous jure, j'ai grave l'impression. Genre, les gens ont beaucoup plus de facilité à venir me voir. Bon, après, il y a des personnes qui sont juste timides. Il y a des personnes qui sont juste timides. Donc, du coup, elles auront du mal à venir me voir. Mais j'ai l'impression que, dans sa globalité, les gens ont beaucoup moins de mal à venir me voir, à me parler, à m'accoser dans la rue. Peu importe, hein, même si ce sont des gens qui me connaissent en général des réseaux ou juste des personnes qui ne me connaissent pas du tout, tu vois. Wish I could be. Les amis, en vrai de vrai, je vous dis la vérité que là, c'est vraiment une vidéo. En vrai de vrai, c'est une vidéo un peu éclatée parce que je me prépare juste pour aller voir la petite sirène. Moi, je suis Chloé et Ali depuis qu'elles sont sur YouTube. Et à chaque fois, je me disais, putain, mais elles-là, elles vont devenir incroyables. Et la façon dont là, elles sont comme en train de prendre l'industrie, mais ça fait tellement plaisir. Oh là là! Je ne souhaite que le meilleur à ces filles parce que franchement, Ali, elle a subi tellement de choses. Elle a subi trop d'insultes, elle a subi trop de racisme pour rien, genre. Et moi, je vais tellement participer au fait que ce film nique les box-office. Vous vous rendez compte que Karine, en même, les gens ne comprennent pas que, en fait, Ali, elle a été castée en tant que Ariel, non pas pour son physique, hein, parce que les gens ne comprennent pas ça, c'est qu'ils pensent que genre en mode, parce qu'elle est noire, elle a été castée, genre en mode pour que justement, il y ait ce délire de représentation, etc. etc. Alors qu'en fait, de vrai, je suis sûr que certain que même si elle avait été blanche, mais qu'elle avait cette voix angélique, elle aurait été castée. On aurait pris elle et pas une autre gauche, est-ce que vous dire ou pas? Mais sa voix, les amis, sa voix. Wesh, quand vous l'entendez chanter par l'entrée de moi, vous croyez que qui d'autre va chanter après elle, genre? Qui d'autre va chanter après elle? Vous êtes sérieux? Elle est incroyable. Même le mec qui est le Robert, là, le mec qui a fait le film, il a clairement dit que genre, en mode, c'est la première qu'ils ont vue, c'est la première qui a passé les auditions. Et suite à ça, il y a littéralement eu personne qui n'a dépassé son level. Vous voulez qu'on dise quoi? Et ça me tue comment les gens, en gros, ils sont juste racistes. Parce que genre, en mode, vous allez voir que
toutes les personnes ne parlent que de sa couleur de peau. Pour dire qu'on croit que oui, elle ne devrait pas jouer Ariel, etc. Les gens ne parlent que de sa couleur de peau. Il n'y a personne qui ne contredit le fait que la fille sache chanter. La fille sait chanter, quoi. Et le racisme, c'est nul, je comprends pas. Et le racisme, c'est trop nul. Moi, ce que j'espère, hein, j'espère de tout cœur que le film va casser des records, mais des records mondiaux, que ça va lui rapporter du bif, et que ces fucking racistes ont la haine. Mes amis, j'ai un peu la haine, je vous avoue, parce que j'aurais bien voulu faire un petit make-up sympa et tout, mais j'ai tellement pas le temps. Je n'ai tellement pas le temps. J'ai pas le temps. Mon esprit, mes ailleurs. Dites-moi en commentaire qui va aller voir le film ou ceux qui vont pas aller le voir. C'est pas pour vous qu'il y a personne qui me suit et qui ne va pas aller voir le film, parce que la vérité, sinon moi je vous tape, hein. Vous avez intérêt à tous aller voir le film. Mais bon, dites-moi quand même en vérité si vous allez le voir ou si vous n'allez pas le voir. Dites-moi aussi si ça vous a choqué que. Enfin, si vous êtes partie des gens qui ont été choqués que la Ariel soit noire. En vrai, de vrai, je peux comprendre. Hein. En vrai, je peux comprendre parce que même ma meilleure amie Christelle, au tout début, elle était un petit peu. Elle était effarée par le fait que ce soit Ali qui joue Ariel. Et bon, je pense qu'au fur et à mesure, elle a compris que pourquoi c'est elle, genre. Surtout grâce au thriller, surtout avec les thrillers. Comment elle chante et tout, wesh. C'est incroyable. Je pense qu'elle a compris maintenant. Donc, en vrai, de vrai, je ne condamne pas votre façon de penser. Hein. Ne pensez pas que je vous dis. Vous êtes des sales gens. Non, je ne dis pas ça. Je comprends que ça peut être un petit choc pour vous aussi. Aussi, en vrai, de vrai, c'est rien. Je vous dis la vérité pour vous montrer à quel point je suis objectif. Et c'est pas parce que je suis noir que je pense de cette façon. Pour le coup, je sais pas si vous avez vu, il y a Yara Shahidi qui a fait La Petite Clochette sur le nouveau film Peter Pan. Vous avez vu ou pas? Tu vois, par exemple, le discours que j'ai là pour Ali Bailey concernant La Petite Sirène, je l'ai archi pas pour La Petite Clochette. Parce que je trouve qu'ils ont choisi littéralement Yara Shahidi là pour rien du tout. Parce que La Petite Clochette, pour ceux qui ont regardé Peter Pan, etc., elle a une certaine personnalité. Mais regarde, en fait, là, vraiment, genre, la Yara Shahidi, elle est vraiment positionnée là comme étant genre un propre, tu vois. C'est vraiment juste une image pour dire, regarde, on veut casser les codes. Et franchement, ça sert à rien parce que, pour le coup, elle est même pas en rôle de La Petite Clochette. Elle est même pas 100%, tu vois. Alors que on aurait très bien pu mettre quelqu'un d'autre, tu vois. Enfin, c'est pour ça qu'on voit la différence avec la petite sirène, c'est que la petite sirène, on a choisi Ali Bailey parce qu'elle chante de dingue. Mais là, sur la fée clochette, on a choisi Yara Shahidi. Pourquoi? Genre, pourquoi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est là où tu vois qu'il n'y a pas le même, il n'y a pas la même visée. Pour un, c'est vraiment pour le pur talent. Pour l'autre, c'est pour faire parler. T'as capté ou pas? Et c'est pour ça que ça, moi, je suis pas d'accord. Dans l'univers de la fée clochette, etc., il y a grave Idrissa, un truc comme ça, la fée de la terre là, une petite grave une renoir. Ils auraient pu faire un délire avec cette fée là, tu vois, mais non, ils ont voulu mettre une renoir pour faire la fée clochette, tu vois. C'est là où tu vois à quel point les gens ils peuvent être mauvais entre guillemets. Ils ont juste voulu surfer sur la vague de ouais, c'est bon, mais amener des actrices noires, ça fait parler, etc., etc. Donc, du coup, ils l'ont fait. Tu vois, par exemple, un film comme ça, moi, je le défendrais pas, tu vois. Par contre, pourtant, j'aime bien la Yara Shahidi, hein, j'aime beaucoup, hein. Mais c'est juste qu'on voit très bien le vice. Les amis, bon, attendez, je fais de spie mes lèvres. J'ai essayé de tester ça. Je sais pas trop à quoi ça va ressembler, mais c'est une espèce de truc de essence qui m'avait envoyé. Là, regarde pas, mes ongles sont trop moches, là. Aujourd'hui, oh mon dieu. Demain, bien sûr, demain, je suis maison. Bah, je pense que demain, je vais faire une vidéo où justement, je suis maison. Ouais, du coup, je disais quoi? Ouais, c'est un truc pour qui chante, qui prend la pleure de tes lèvres, tu vois. Donc, du coup, je sais pas trop à quoi ça va ressembler, mais bon, on va tester ensemble. Je vous avais dit ce que j'ai un peu peur parce que moi, j'aime pas changer les habitudes que j'ai. Ah, c'est pas beau. Enfin, c'est pas que c'est pas beau, c'est juste que je pense que le marron, il est trop fort pour ça. Donc, ça donne une espèce de rose. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est une espèce de rose. Bon. Bah, écoutez. We did that thing. Bon les amis, attendez. Les amis, je pense que j'ai fini là. Eh, vraiment, une vidéo trop nulle. Elle fout rire. Mais bon, c'est pas grave. Les amis, attendez, je vais vite fait me changer et tout. Et je reviens. Deux secondes, ok.
Bon, voilà, guys, petit make-up vraiment très très simple. J'ai mis ma petite robe très kiki, vraiment en mode très soir d'été, déjà. Les amis, je pense que. Attendez, les amis, il est quelle heure? Il est 19h12. Franchement, je pense que ça va. Je pense que j'ai le temps de monter la vidéo, de la poster, j'espère, parce que sinon, sinon je suis dans la merde. Mais bon, on va faire ça assez rapidement, vous inquiétez pas. Et puis, vous avez dit, hein, j'essaie de vous faire vraiment une vidéo par jour jusqu'à la fin de la semaine. Donc, du coup, vraiment, je fais du mieux que je peux, guys. I'm so sorry, je sais que des fois il y aura des contenus qui seront peut-être pas très fun. Enfin, à partir de demain, je pense que ça va être fun parce que comme il y aura que des vlogs jusqu'à la fin, donc je pense que ce sera fun, ok? Là, je suis vraiment désolé, il fallait vraiment que je trouve un petit truc parce que voilà, je tiens à tenir à ma promesse. Puis oui, yeah. Ok, guys, donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez voir la petite sirène. Et puis, quoi, donc on se retrouve très très vite, on se retrouve même demain pour une prochaine vidéo. Ok, guys, bye!